Robert, je travaille au service des expositions et services scientifiques. Et la première chose que j'ai remarquée en 2004, quand je suis arrivé au musée de Saint-Romain-en-Galles, c'était les enduits peints, les échassiers. Ça m'a rappelé le musée Guimet d'histoire naturelle où j'ai travaillé une trentaine d'années. Et j'étais très sensible, j'ai travaillé en zoologie et j'étais très sensible à ces oiseaux de marais, le héron, aigrette, ébuteur, etc. J'ai eu la chance, en 2006, de travailler sur une maquette où j'ai pu recréer, à l'échelle 1/20, ces fameux oiseaux. C'était la première fois en France où c'était aussi complet. Et travailler des vrais matériaux, et c'est vrai que c'était quelque chose de formidable, qui était une première pour moi. J'avais l'impression de refaire cette fresque comme à l'époque romaine, où je travaillais avec des vrais pigments et une vraie teinte adaptée à la couleur, etc. Donc c'était aussi une expérience.